Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce doudou ourson. Pour la tête, on va commencer par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire que des augmentations. À la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang 3, on va répéter une maille serrée, une augmentation. À la fin, on aura 18 mailles. Pour le rang 4, on va répéter 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 24 mailles. Pour le rang 5, on va répéter 3 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 30 mailles. Pour le rang 6, on va répéter 4 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 36 mailles. Pour le rang 7, on va répéter 5 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 42 mailles. Pour le rang 8, on va répéter 6 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 48 mailles.
les rangs 9 à 14, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 48 mailles. On va placer les yeux entre les rangs 9 et 10. Pour le rang 15, on va répéter 6 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 42 mailles. Pour le rang 16, on va répéter 5 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 36 mailles. Pour le rang 17, on va répéter 4 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 30 mailles. Pour le rang 18, on va répéter 3 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 24 mailles. Pour le rang 19, on va répéter 2 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 18 mailles. Thank you.
va rembourrer. Pour le rang 20, on va répéter une maille serrée, une diminution. À la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang 21, on va faire que des diminutions. À la fin, il nous restera 6 mailles. On finit par une maille coulée, une maille en l'air et on peut couper le fil. On va maintenant fermer le petit trou. Pour les oreilles, on va faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 4 mailles serrées. Pour le rang 2, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire que des augmentations. À la fin, on aura 8 mailles.
Pour le rang 3, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et on va répéter une maille serrée, une augmentation. À la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang 4, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et on va répéter 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on aura 16 mailles. On finit par une maille en l'air et on peut couper le fil. Il ne nous reste plus qu'à en faire une deuxième. On peut maintenant assembler la tête.